Good afternoon. Welcome to the Toronto International Film Festival. My name is Andrea Picard, and I'm a senior curator here. And it is my great pleasure to be welcoming you to today's North American premiere of Saint-Omer by Alice Diop. Before we begin, I would like to thank our lead and major sponsors, Bell, RBC, Bulgari, and Visa for their continued support. And thank you to our major supporters, the Government of Canada, the Government of Ontario, Telefilm Canada, and the City of Toronto for their continued support. This film is eligible for the People's Choice Award. Please vote for your favorite films at tiff.net/vote. And we would like to thank Wild Bunch International for providing us with this film. We would also like to thank Unifrance for their generous support. This is Alice Diop's first time in Toronto, though she's very accomplished. She was born in Aulnay-sous-Bois, France. Her documentary films include La Mort de Danton, La Permanence, and Nous, which was from 2021. And I think it's still available to be seen on some platforms, and I really highly recommend it. Nous won the Best Film Award in the Encounter section of the Berlinale. It had a release at the Museum of Modern Art, and it was a critic's pick in the New York Times. And this is her first narrative debut, which just premiered in Venice last week, where it won the Best First Feature Award, as well as the Silver Lion. Indeed. While the film is based on a real live event and has some specificities, it is profoundly universal, and I think you'll all be tremendously affected by it. Please welcome Alice Diop. Hello. Thank you. Thank you. Thank you to be here. I'm very happy to be here. It's my first premiere in US. And the first time, actually, that I can speak about my movie in public. For me, it's very wonderful. Thank you to be here. I don't want to speak a lot because my English is a disaster. But for the Q&A, I think I have a translator, an interpreter for help me to answer to your question. I would like to, today it's a very, very sad day, and I would like to dedicate this screening to Jean-Luc Godard. It's one of the most important filmmakers in the world, and he opened the door of the liberty, and I'm thinking about him today. Thank you so much. Have a great screening. Merci beaucoup. Please welcome back to the stage Alice Diop. Merci beaucoup. Thank you so much. This is a very wrenching film. I find it very difficult to speak after. There's so many complex moments in this film, Alice. I know that this was a very heavily mediatized event in France, and you said something about following your intuition after seeing a photograph in Le Monde, and that led you to attend the trial. Can you talk about that? Oui. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour d'être resté si nombreux. C'est très émouvant pour moi parce que c'est la première fois, comme je le disais tout à l'heure. Je peux traduire. Que je parle de ce film. Yes. First of all, thank you. Thank you very much for being here. It's I'm very touched that you have been so many to come and watch this movie. Et c'est la première fois que je parle de ce film en public. Je n'ai beaucoup parlé à la presse, mais peut-être yes. Finis mes phrases avant que vous traduisiez ce film, ça va être compliqué. Mm-hmm. C'est la première fois que j'en ai beaucoup parlé à la presse et c'est la première fois que je montre ce film devant un public. Yes, I have. It's working. It's working? Mm-hmm. Okay. Yes, I have talked a lot about this movie in the media, but this is the first time that I'm talking about it in front of the audience. Et par ailleurs, dans l'émotion, je dois m'excuser, j'ai bien compris que j'étais au Canada et pas aux États-Unis. Donc tout à l'heure, j'ai fait une énorme confusion. C'est vraiment, excusez-moi, c'est l'émotion des jours de première. Yes, excuse me, I made a mistake. I was in not in the United States, is that right? L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, voilà.
C'est pas pareil tout à fait, mais bon, on m'excusera. Et oui, pour répondre à ta question, je vais essayer de faire des réponses courtes parce que je parle beaucoup. Yes, in order to answer to your question, I'm going to answer short answers. I prefer short answers. En effet, c'est un fait divers, hein, réel, qui a énormément défrayé la chronique, qui a été très, très, très relayé dans les médias. Et quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai été complètement... quand j'ai vu la photo de cette femme qui avait tué son enfant, surprise par une caméra de surveillance d'une gare du Nord à Paris, j'ai eu tout de suite un sentiment très étrange de familiarité avec elle. Et j'ai eu l'impression de la reconnaître, alors que je savais que je ne la connaissais pas. Yes, this was a fact that it was in the media in France, and that it touched me a lot. And then when I heard about this, I put myself in the place of that young lady, and I wanted to do something about that. That when she saw the photograph, there was a surveillance photograph of the woman in Le Monde, yeah. And she was very moved by that, and in some way she saw herself in her. And wanted to make a film. Ok, vas-y. Et ça va être compliqué, je crois. et du coup, il y a quelque chose qui m'a aimantée dans cette histoire, quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et je suis allée au procès totalement obsédée par cette femme. Et j'avais l'intuition qu'il y avait des choses extrêmement personnelles et extrêmement intimes que j'allais découvrir vis-à-vis de cette histoire. Et c'est vrai que les 5 jours que j'ai passés au procès m'ont percutée d'une manière extrêmement forte. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule qui était autant remuée par ce procès. Et toutes les femmes autour de moi étaient complètement bouleversées. Et j'ai compris à ce moment-là que ce film était un film universel. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie d'en faire un film. C'est vraiment en prenant conscience que cette histoire avait bouleversé toutes les femmes qui assistaient comme moi au procès. Yeah, I know she spoke a little bit longer. This story have touched so many people. I went myself to the trial, and I understood that it was really very important that I should talk about it. Je crois que je vais pas. And en fait, excusez-moi, vous êtes. Il y a un vrai problème. C'est très compliqué. C'est la première fois que je présente ce film. Yes, it's et very j'ai l'impression que l'interprète n'est pas... Et sinon, je vais faire de mon mieux. Je pense que c'est trop, c'est trop important pour moi. Excusez, je suis désolée. So when I went, I attended the trial for 5 days, and these were questions that were working themselves within me, and I kept thinking about them. And when I was there, I saw the expressions of all the women in the courtroom, and I saw that they were having the same experience as I was. And in that moment, it became very clear to me how universal this story was. Merci. Thank you so much. I'm going to open it up for questions, and if not, I will continue with Alice, but surely there are many questions for her. Right here. Alors, en fait, toute la majeure partie des discussions dans le film, tout ce qui se passe au tribunal, le témoignage des témoins, les entretiens entre la présidente et l'accusé sont totalement documentaires. Et en particulier, la plaidoirie de fin, donc jouée par Auréliette Petit, étant à 90% documentaire, la seule chose que j'ai rajoutée, c'est toute le passage sur les chimères. Mais sinon, tout est absolument documentaire. So most of the texts in the trial are documentary, and the speech that he was referring to at the end about the chimère is about 90% true to the trial. There are more questions. Yes, right here. Sorry. En fait, le personnage de Laurence Colly est un personnage
tellement complexe, qui pose de multiples questions, en effet, que ce serait compliqué pour moi d'énumérer tous les levels d'interrogations, de questionnements, de problématiques, d'enjeux que ce personnage porte. Et c'est justement à cause de ça, que la mise en scène a posé cette la fixité des plans et leur longueur. C'était justement une manière d'accueillir la complexité du personnage de Laurence, où tout ce que vous dites, à la fois la question de la santé mentale, la question du relation à la mère, la question du racisme aussi impensé, insidieux, la question de la solitude de cette femme noire, la manière dont les gens projetaient sur elle des choses. En fait, c'est, le film aborde toutes ces questions et pour n'en choisir aucune, il offre finalement au spectateur l'occasion de traverser la complexité de cette femme-là. Je crois que c'est un des enjeux du choix de la mise en scène, de la fixité, de la longueur de ces longs plans séquences. C'est pour accueillir la complexité de ce personnage. I'm going to be very poor in translating this, but I'm going to do my best to paraphrase. That's precisely it, is that Laurence Coily is such a complex, almost ungraspable character, and there are so many different layers, and there is the one of mental illness, as you spoke about, but the alienation, the grief, the motherhood, the solitude, and all of these complex layers were represented in the mise-en-scène, and the choices made formally in the film as well, which are equally complex as a mirror of one another. Right here in the middle. Alors, le film est vraiment une fiction. Le personnage de Laurence Coily est vraiment une fiction qui est inspirée effectivement par une vraie accusée que je n'ai pas forcément envie de nommer. Et en tout cas, le but du film n'était pas pour moi de poser un jugement sur cet acte de relayer, de relater en fait, la réalité documentaire de ce procès. En fait, il part d'une matière documentaire, mais à partir de cette matière documentaire, je fais résolument une fiction. Et c'est pour ça que le personnage de Rama est créé. C'est un personnage totalement fictionnel qui permet au spectateur de rentrer à travers elle au procès et d'en révéler les enjeux, qui n'est pas un film sur l'infanticide, mais précisément un film sur la maternité. Et c'est parce que le personnage de Rama est construit fictionnellement que les enjeux premiers, les enjeux principaux de ce film sont révélés, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une mère, qu'est-ce que c'est que le rapport qu'on a à la maternité, comment devenir mère à partir de la mère qu'on a eue, à partir de la fille qu'on a été. Pour moi, c'est véritablement la question du film, bien plus que l'affaire Laurence Coily. Again, I will try. So this is very much a fiction film. As you say, it is based on real events, but it was not my goal to document the trial and the infanticide. It was the interplay between the characters of Rama and Laurence and the complexity within it that raised the questions around maternity and motherhood that led to such a complex inquiry. Right over here. Comment répondre à ça très quickly? Je peux parler des heures de cette introduction. Je vais essayer d'être courte. Rama est écrivaine et il y a peu d'indices dans le scénario, dans le film, il y a très peu d'indices sur Rama et tous les indices posés sur Rama sont très importants pour la compréhension de ce personnage. Et cette première scène en est une. Pour moi, c'est à la fois un statement politique, c'est une femme noire qui est écrivaine, qui est prof à la Sorbonne ou à Sciences Po, et qui parle de Marguerite Duras. Il y a quelque chose de profondément politique pour moi dans l'introduction de ce personnage. Ensuite, je pense que son cours donne des indications sur le type d'écrivaine qu'elle est, et je pense qu'elle est très durassienne, dans le sens où elle s'intéresse à des femmes
qui sont dans une forme, qui ont osé affronter les tabous, le tabou le plus ultime. La collaboration, c'est un très grand tabou. L'infanticide, c'est un des plus grands tabous de l'histoire de l'humanité. Donc on peut imaginer qu'en Duracienne, c'est ce qui l'intéresse chez Laurence Colly. Ensuite, je crois que le film entier est aussi un peu duracien. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que cette première séquence donne un axe de regard à tout ce qui va suivre. Et au fond, le film réalise, avec le personnage de Laurence Colly, le projet duracien de faire de ces... Il y a une phrase dans le... Mais je vais arrêter là parce que sinon... Non, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Well, I have to translate. But it also responds to your question in a way. Parler duras en anglais. I can speak duras in English. You can do duras en anglais? Non, mon producteur, il me dit parle en anglais. Ah bon? The question was about the beginning with Rama teaching duras. And Ali says that this was a very political decision and there... aren't that Rama is a writer, and we get to know her through glimpses, and this is the introduction, and it's a very political act to have her as a black woman teaching Duras, and in fact her level of inquiry is Duracien, and in a way that answers the previous question, and that's the sort of always looking to sublimate reality in a way, and that's kind of what gets done in the film as well. Right there. Congratulations. I wanted to ask about music in this film. The sequences in the trial are very long, all driven by dialogue. And then there are these sort of eruptions of Caroline Shaw, I think, right? Acapella, and then also, of course, the Nina Simone at the end. Can you talk about the sort of clash or the choreography of the music? Alors, je l'ai pas pensé comme un clash. C'est vrai que quand j'écrivais le scénario, j'étais très habitée par la musique de Philip Glass. Parce qu'il y a quelque chose de très angoissant, de très hypnotique. Et j'essaie de trouver une musique très organique qui en fait, nous permettrait de traverser le tourment intérieur de Rama. Et Philip Glass, c'est très, très, très angoissant comme musique. Et très, très angoissant. Mais j'écoutais ça en permanence. Et le personnage d'Adrien est joué par un très très grand musicien qui s'appelle Thomas de Porcuré, un très grand jazzman, et il est très ami avec Caroline Shaw, et c'est lui qui m'a présenté Caroline Shaw, qui m'a fait écouter son morceau, et je trouvais que c'est une espèce de fille de Philip Glass, il y a une version très féminine, en même temps c'est assez angoissant, c'est assez hypnotisant, et donc en fait le choix de la musique est venu de la découverte de Caroline Shaw, mais vraiment à partir de mes prolongements de réflexion, en fait. C'est la base de réflexion que j'avais autour du film. Quant à Nina Simone, parce que Nina Simone, je sais pas, il n'y a pas d'autre justification. Cette voix terminée, puis le texte de Little Girl Blue est absolument magnifique. Moi, à chaque fois que j'entends cette scène de fin, je fonds en larmes tellement j'ai l'impression qu'elle s'insère dans ce film, dans ce propos, de façon tellement, tellement organique. Que j'avoue que j'ai pas du tout pensé une collision entre les deux. C'est plutôt un cheminement de pensée qui m'a conduit à utiliser ces deux artistes. Did everybody get that? I need to train metric training in English for. Yep. Oh, you all translate very quickly then. It was a question about the music and the clash, and Ali said it wasn't so much of a clash, but that she was very much thinking of an anxiety-inducing music, kind of in the vein of Philip Glass, that she was listening to while working on the film. And this musician, Caroline Shaw, was introduced to her by the actor who plays Rama's husband or partner, who's also a great musician. And then Nina Simone, because it's Nina Simone. Thank you, Memouna. Thank you. Memouna Doucouré, dont vous pouvez voir le film tout à l'heure, je crois. Merci beaucoup pour. Merci beaucoup pour tes mots, la sister.
En fait, j'ai écrit le film en pensant à... Je l'ai rencontré complètement par hasard. L'actrice qui joue Laurence Colli s'appelle Guslaji Mananda. Et c'est une très jeune actrice. Elle a très peu joué. Elle a fait un film, je crois, avec Jean-Paul Civera, qui s'appelle Mon ami Victoria. Et je l'ai rencontrée dans un dîner. Et j'ai été complètement captivée par son visage, captivée par son regard, captivée par sa présence. Et quant à Rama qui joue, quant à Kaige Kagame qui joue Rama, c'est pareil, j'ai rencontré par hasard dans une projection de l'un de mes films en Suisse. Et j'ai écrit le film en pensant à toutes les deux. Et ensuite, j'ai réalisé un long casting qui a duré un an, où j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de comédiennes. Mais je pense que le but de ce casting était de me confirmer dans le choix de cette intuition première. Et je crois, avec le recul, que j'ai fait un casting en documentariste, c'est-à-dire que j'ai pris ces deux comédiennes parce que c'était elles et parce que je sentais profondément une connexion intime que Guslaji pouvait avoir avec l'histoire de Laurence, sans dévoiler des aspects très personnels de sa vie. Je me rends compte que le casting que j'ai effectué est un casting de documentariste, c'est-à-dire que j'ai demandé à chacune des actrices d'être elle-même, en fait, et j'ai travaillé à partir de ce qu'elles étaient, et j'ai pas essayé de leur faire jouer quelque chose qu'elles n'étaient pas. Je sais pas si c'est... So the question about the casting, and she said the two leads that she met by hazard, by chance, one in a dinner, and she was very struck by them, and then the way that she approached casting was also very much documentary, where she wasn't expecting them to be actors, but rather themselves. More questions? Yes, over here. J'ai pas entendu la fin. Asking about And what role that race plays in the film? La race. En fait, pour moi, c'est la joie que j'ai eu à faire ce film, et je le dis très souvent, pour moi, le corps noir porte l'universel. Et ma grande fierté, c'est d'avoir réalisé un film où les deux actrices principales sont noires, et la question de la négritude n'a pas à être justifiée autrement que par leur présence dans le scénario. C'est un film que toutes les femmes du monde, que tous les hommes du monde peuvent traverser, et il n'y a aucune justification au fait qu'elle soit noire. Rama aurait pu être blanche, et d'ailleurs, pour tout vous dire, au départ, j'avais imaginé qu'elle soit blanche. Et pourtant, elle est noire, et pourtant, c'est le même film, et qui traverse exactement les mêmes questions. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de statement politique, de commencer ce film par une femme noire qui lit Duras. Et alors, pour moi, c'est ça qui était profondément intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. She said that I speak a lot about the universality of black bodies, and that at one point she had thought that Rama could have been white, and that everything that the women have gone through in the film could have been interchangeable. And it has such profound universality. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Moi, j'ai une question. I have a question about language, going back to Duras and Wittgenstein, and how language can be used also as an armor, as a weapon, and language plays such an important role in the film. La langue de Laurence Colli, et c'est toute la question documentaire du film, et je crois que si j'ai voulu faire ce film, c'est précisément pour donner à entendre cette langue-là, parce que c'est une langue qui échappe et qui met à mal tous les fantasmes, toutes les projections, tout qu'on peut avoir sur le corps d'une femme noire qui est une surface de projection. Et Laurence Colli, en fait, elle échappe à toutes les tentatives d'enfermement, à toutes les tentatives de réduction. Et en même temps, sa façon de l'utiliser, c'est aussi, elle parle comme Duras, c'est-à-dire qu'il y a aussi une manière de mettre en scène la violence de son acte et de nous donner à l'entendre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette langue, si elle ne maniait pas cette langue, je pense que le film n'aurait pas été possible et qu'on n'aurait pas pu trouver en nous-mêmes la force d'entendre ce qu'il y a derrière la violence de l'acte. C'est précisément parce qu'il y a une mise en récit qu'au fond, le film est possible, parce qu'il nous permet de nous interroger. Ouais. Si elle ne parlait pas comme ça, ça aurait été complètement obscène d'aller écouter le récit d'une femme qui a tué sa fille dans des circonstances aussi dramatiques. Donc pour moi, effectivement, la langue, c'est un des enjeux du film, et elle a des multiples fonctions
dans la manière de la traiter. So the language is hugely important, and it, the language of Laurence Colli is what allows her to confront all the projections against her, and that makes her such a complex character given the act that she committed. We have time for one more quick question, if there is. In the middle? Marie Ndiaye, c'est la novelliste avec qui j'ai écrit, co-écrit, parce que j'ai écrit avec Marie, avec, mon, avec ma, ma monteuse, Amrita, qui a monté tous mes films. Je pense que Marie, on a travaillé ensemble. Je pourrais pas vous dire l'apport, peut-être le cours de Duras, l'apport de Marie, c'est l'exactitude et la précision du cours que Rama donne à Sciences Po. Je crois que c'est beaucoup aussi les obsessions de Marie. Mais l'apport de Marie est au même niveau que le mien et au même niveau que celui d'Amrita. Je ne saurais pas comment. Je ne peux pas le quantifier autrement que dans un travail collectif qu'on a mené à six mains du coup. The question was about one of the co-writers, Marie Ndiaye, who's a great novelist, and Alice says that this was a very collective, collaborative group between the editor who also co-wrote, and that perhaps what she did bring to it was the text on Duras. I'm afraid we have to stop here. This was such an honor. Thank you so much. Thank you, Andrea. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Je suis désolée de pas parler anglais. Merci. Merci.